Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Oléana Medium. Alors aujourd'hui je vais faire le tirage du jour du jeudi 26 mars 2020 avec le jeu 32. Et je ferai le tirage sentimental avec l'oracle des miroirs. Comme je sais qu'il y en a qui aiment bien, donc voilà, il en faut pour tout le monde. Allez, on y va. Donc ce jeudi 26 mars 2020, le 26, le chiffre, ça nous fera 6 et 2, 8. Donc le 8, c'est tout. Alors c'est un bon chiffre, hein. Alors on vous dit de faire quand même attention à la santé, parce que le 8 est représentatif de tout ce qui est d'ordre de la santé. Donc comme là on est en confinement, on vous dit de ne pas sortir, donc surtout faites-le, hein. Donc là, c'est tout ce qui est en rapport avec la santé. Ça peut être aussi tout ce qui est en rapport avec l'administration. Ça peut être aussi une somme d'argent que vous pouvez recevoir, puisque le 8 est aussi un chiffre qu'on peut recevoir de l'argent. On vous dit de faire attention aussi à tout ce qui est chute. Vous pouvez tomber, hein, tout ce qui est blessure. On vous dit de faire attention quand même. Mais ce n'est pas méchant, d'accord? Mais on vous dit quand même de faire attention, d'accord? Et aussi, tout ce qui est lié à l'administration, c'est positif. Allez, on y va à la coupe. Nous avons le valet de pique et le 8 de carreau. Donc là, le valet de pique, c'est une personne, alors ça peut représenter une personne, un homme ou une femme de votre entourage qui, bon, ben là, on a le 8 de carreau, donc c'est le déplacement, mais la personne ne peut pas vous voir parce qu'on est tous et toutes confinées. Donc là, pour moi, vous allez avoir des nouvelles de cette personne-là qui avait peut-être eu l'intention de venir vous voir. Et là, vous allez avoir des nouvelles de cette personne-là. D'accord? Donc, ça peut être une personne, donc homme ou femme, hein, d'accord? Mais en tous les cas, c'est une personne manipulatrice, donc vous faites attention. Allez, on y va, on va procéder au tirage de 13 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... 4, non, pourquoi 14? Non, on arrête à 13. Et moi, j'allais continuer. Allez, hop, on y va. Donc, s'il y a des cartes négatives, je les recouvre, bien évidemment. Allez, on a nos 13 cartes, c'est parfait. Allez, on y va. Allez, je commence par la première. Hey, bingo, là c'est la réussite. Hein. Alors, je vous ai dit, hein, demain, c'est une journée où y a pas mal de personnes, où il y a la réussite, que ce soit professionnelle, même si on est dans ce confinement, que ce soit sentimental, que ce soit aussi niveau santé, même si je vous recommande de faire attention aux petits bobos, hein, les petits bobos de la vie. Donc, faites attention. Mais en tous les cas, il y a la réussite, hein, d'accord? Réussite totale. Réussite pour un roi de cœur. Alors, un roi de cœur dans le domaine sentimental, pour vous, mesdames, c'est pour vous, mesdames. J'ai fait mesdames, vous voyez, j'ai voulu faire les deux en même temps. Donc, pour vous, mesdames, c'est un roi de cœur, c'est un homme bienveillant, protecteur, donc un amoureux, hein, ça peut être représenté votre chéri. En tous les cas, il y a la réussite avec cette personne-là, donc c'est très positif. Donc pour vous messieurs, vous inversez, hein, vous mettez une dame à la place, mais en tous les cas, c'est très positif. Une très belle relation, ça peut être aussi votre papa, hein, le roi de cœur, ne l'oubliez pas. Là, nous continuons, nous avons la dame de cœur. Et la dame de cœur, ça représente, maintenant vous le savez, la fille, la meilleure amie, la tante, la sœur, ou de l'autre côté, hein, vous inversez, si justement ça peut être la fille de ce monsieur que vous avez rencontré. Et là, nous avons, en tous les cas, c'est un très beau tirage pour l'instant, nous avons la carte du voyage. Donc là, vous avez peut-être avoir des nouvelles. Bon, bien sûr, le 10 de carreau, c'est les changements positifs, mais c'est aussi la carte du voyage, du déménagement. Donc peut-être que vous avez une fille qui, justement, a peut-être rencontré quelqu'un. Vous avez peut-être justement une amie qui doit déménager. Avec ce confinement, c'est bloqué de toute façon. Donc, tout est à l'arrêt, comme on dit. Mais en tous les cas, il y a des bonnes nouvelles dans le domaine sentimental. Hein. Il y a une belle rencontre en tous les cas. Pour les personnes qui sont célibataires, il y aura une belle rencontre, que ce soit avec un homme ou une femme. Vous mettez à votre sauce. Mais il y a une très, très belle rencontre. Là, nous avons la dame de trèfle. La dame de trèfle, c'est la consultante. Donc, c'est vous, mesdames. Vous inversez, messieurs. Vous mettez le roi de trèfle à l'envers. Enfin, à votre sens, hein. Et là, on a vraiment, c'est peut-être vous, là, vous voyez, ce 10 de carreau, c'est peut-être vous qui allez peut-être ou qui avez l'intention de déménager. Mais il y a de la colère. Il y a une colère en vous, que ce soit pour vous, messieurs, ou que ce soit vous, mesdames. Il y a de la colère, il y a de la tension concernant de l'argent,
concernant une somme d'argent. Alors, peut-être que vous vous attendez, peut-être que l'on vous doit de l'argent, puisqu'on a quand même de la réussite, l'argent arrive, mais il y a quand même une colère concernant une somme d'argent. D'accord ? La colère est à côté de votre fille, votre meilleure amie. Alors, pour moi, j'ai plus l'impression que l'on vous doit de l'argent, que vous avez prêté de l'argent, et ben, ça va être difficile de récupérer. Malgré qu'on n'a pas de carte négative, il y a juste une colère. Il y a une colère concernant de l'argent. D'accord ? Concernant de l'argent que l'on vous doit. Hein. Donc ça, c'est bien la procédure. S'il y en a qui sont en procédure, on a le roi de pique. Ça peut être aussi des indemnités que l'on vous doit et vous êtes en colère parce que vous ne comprenez pas. Ce n'est peut-être pas la somme que vous avez espérée ou qu'on vous avait dit. Mais en tous les cas, il y a une procédure. Hein, d'accord ? Soit qu'il y en a qui attendent une somme. Et ce n'était pas la somme, on vous avait, alors je vous dis un chiffre hein, tout bête, on vous avait prédit 1000 euros et en fin de compte, vous en recevez que la moitié. Donc là, c'est sûr, il y a de quoi être en colère. Et là, ça concerne vraiment la santé. Hein. Il y a vraiment quelque chose, le roi de pique et le 8 de pique, c'est vraiment quelque chose concernant la santé. Il va y avoir une colère concernant une somme d'argent, des indemnités, que peut-être qu'on vous doit, sûrement. Mais ça va vous mettre dans un état, vous n'allez pas être bien. Là, le roi de pique et l'huit de pique, et ça concerne l'état moral, l'état santé. Alors, on va regarder plus bas ce qu'il nous annonce. Donc là, nous annonce le valet trèfle. Donc peut-être que justement, vous allez demander de l'aide à cette personne-là qui va essayer de vous aider, puisque le valet trèfle, c'est une personne quand même élégante, qui n'est pas négatif en soi, malgré qu'il y a l'huit de pique avant, mais elle n'est pas derrière. Il y a quelque chose qui va pour moi se débloquer, bingo, on a la carte de la naissance. Donc moi j'ai l'impression qu'il y a un homme qui va intervenir, qui va vous aider dans tout ce qui est... Il y a un problème d'administration, il y a un problème d'argent lié à l'administration. Il y a un problème de papier. Pour moi ça se résumerait aussi à ça. Et il y a un homme qui va intervenir et ça va refaire redémarrer la chose, vous voyez. Vous repartez sur de bonnes bases. Donc ça c'est plutôt pas mal. Et vous voyez, ça va être comme si cet homme-là, cette personne-là, va être comme un cadeau du ciel, hein, puisque le 8 de cœur, c'est les petits cadeaux, les petits plaisirs, et il va vous faire débloquer cette situation, voyez. Et là, il y a de la joie concernant un voyage à l'étranger, donc moi, pour moi, il y en a peut-être qui veulent aller, qui veulent partir, qui veulent changer de région. Bon, là, avec le confinement, c'est sûr, c'est mal barré, comme on dit. Mais là, il y a vraiment, en tous les cas, quoi qu'il arrive, vous déménagerez, vous changez de région ou vous partirez à l'étranger. Sauf qu'avec le confinement, il faut décaler. D'accord ? Mais il y a quelque chose qui vous a contrarié. Alors, est-ce que c'est votre fille, votre meilleure amie ? Il y a eu quelque chose, vous lui avez prêté de l'argent, vous avez besoin de cette somme d'argent ? Ça peut être ça aussi. Moi, pour moi, c'est confirmé aussi. Ça peut être par rapport à tout ce qui est lié à la médecine, concernant peut-être un médecin, une administration. Alors, ça peut être, alors je ne dis pas les mots parce que j'aime pas trop dire, mais tout ce qui est lié en rapport à la médecine. Mais en tous les cas, on vous doit de l'argent. Soit qu'on vous a donné de l'argent, vous avez reçu votre somme d'argent, mais c'est pas le bon chiffre, en fait. Voyez ? Donc, je vais juste recouvrir le 8 de pique et la colère. On va voir ce que ça donne. Parce que là, franchement, ça se termine bien parce qu'il y a par l'intervention d'un homme. Alors, peut-être que cet homme-là, voyez ? Bingo ! Donc, vous voyez, le 8 de pique, là, le 9 de cœur, sur les contrariétés, puisque le 8 de pique, c'est quand même lié à la santé, mais c'est lié aussi à tout ce qui est psychologique, physique. Donc là, on a ce 9 de cœur qui apaise. Donc, pour moi, il y a vraiment cette personne-là qui va vous aider, qui va vraiment vous sortir du truc. Vous voyez ? Il va vraiment être compétent dans son travail. Et la colère est liée, hein, avec certitude. Hein. Donc là, vous allez être vraiment en colère. Ça va vous énerver. Mais la situation se débloque. Donc là, ça ne nous parlait pas de sentimental. On va regarder avec l'oracle des miroirs. Il y avait quand même ce roi de cœur, hein, quand même. Il y a quand même un homme, hein, pour celles et ceux qui sont célibataires. Et en tout cas, il y a un homme. Ou pour celles et ceux qui viennent de rencontrer quelqu'un. Il y a un homme ou une femme. Hein, vous mettez, bien sûr, messieurs, à votre sauce, à l'envers. Allez, on y va pour le sentimental, pour ce tirage du jour du jeudi 26 mars 2020. Bon, là, j'ai la carte de l'étranger, mais j'en ai trop. Non, j'en ai trop. Allez, on remet. Ah, ça veut pas. Allez, on y va. C'est parti, on va procéder à la coupe pour le tirage sentimental. Eh bien, nous avons la carte de la séparation
Et nous avons le compromis. Et alors pour le sentimental, donc là on est en plein dedans. Alors ça va parler pour certains et certaines, bien évidemment. Alors peut-être que pour certains et certaines, vous étiez en séparation avec une personne, alors que ce soit un homme ou une femme. Hein. Et ben il y a réconciliation, il y a un compromis. Donc il y a peut-être le retour d'un ex ou d'une ex. Donc ça c'est plutôt pas mal hein, pour celles et ceux qui attendent le retour d'un ex. Donc là déjà la coupe me parle très bien pour vous. Donc ça c'est super. Allez, on y va. 4 cartes. Oh, bah génial. Oh, punaise. Oh, punaise. Eh, franchement. Alors là, ça va être vite fait, bien fait. Examen. La roue de la fortune, le changement. Le contrat. Et la victoire. Alors là, ça va être vite fait. Ah, moi, si tous mes jeux, ils étaient comme ça, ça serait génial. Alors là, l'examen, c'est la réussite. La roue de la fortune, ben, c'est la roue qui tourne. Hein. Vous avez la signature, le contrat et vous avez la victoire. Alors, on va commencer par les célibataires, mais je vous dis, en 10 secondes, ça va être fait. Pour vous, mes amis célibataires, il y a bel et bien une rencontre, comme je vous l'avais sorti au tirage général. D'accord? Alors, elle se fait... Alors, je vous parle, je vous fais bien le tirage jour du jeudi 26 mars 2020, mais en tous les cas, ça peut se décaler. Hein. Il n'y a pas de souci. Il y a bel et bien une réussite, ça sera la réussite de cet homme-là ou de cette femme-là, de cette rencontre. Vous avez été, je pense, pour certains et certaines, celles et ceux qui sont célibataires, dans une situation un petit peu difficile, et bien la roue, elle tourne pour vous. Il y aura même une signature de contrat, donc signature de contrat dit mariage, et vous avez la victoire. Donc, c'est bien l'homme ou la femme de votre vie. Pour celles et ceux qui viennent de rencontrer quelqu'un, d'accord, c'est la réussite. C'est l'homme ou la femme de votre vie. Je vous dis, c'est rapide. Hein. Quand vous avez un jeu comme ça, il n'y a pas besoin d'aller... chercher ou faire des 1000 lectures, il n'y a aucun problème. Ça ne sert à rien. Là, vous avez, en 4 cartes, vous avez les réponses. Et c'est réponse positive. Donc, mes amis, pour celles et ceux qui viennent de rencontrer quelqu'un, positive. Hein. Réussite, changement de vie pour vous, mariage, victoire. Ok ? Pour celles et ceux qui sont en couple, réussite, avec qui ça marche bien. La roue, elle tourne. Donc, peut-être qu'il y avait peut-être quelque chose de peut-être pas bon dans votre couple ou il y avait un petit peu de faiblesse. Eh bien, on renouvelle, on renouvelle, comme on dit, les vœux. Allez, et il y a la victoire. Et on repart de plus belle. C'est génial. Et pour celles et ceux qui sont en couple et qui veulent se séparer, ça ne va plus du tout. Il y a la réussite pour le divorce. La roue, elle tourne, c'est le changement total pour vous. Il y a la signature, vous signez pour les divorces et c'est la victoire. Il n'y aura aucun souci. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, pour les personnes, pour le retour de l'ex, c'est pareil, puisqu'on avait la séparation, hop, et la personne revenait. C'est oui, changement de vie pour vous, c'est vous serez heureuse ou heureux. Vous signerez, donc ça peut être un mariage, hein, et vous avez la victoire. Et pour celles et ceux qui sont triangulaires, la personne, elle vous aime, il n'y a aucun souci. La roue, elle tourne enfin pour vous. Il y aura même un mariage avec cette personne-là, et il y aura la victoire. Donc là, franchement, hein, moi, si je pouvais faire des tirages comme ça tous les jours, oh, mamma mia, ça serait trop, trop cool. Donc voilà les amis, j'espère que ce tirage pour ce jeudi 26 mars 2020 vous aura parlé. En tous les cas, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis donc à demain pour le tirage du jour du vendredi 27 mars 2020. Surtout, prenez soin de vous. Restez bien chez vous, s'il vous plaît. Allumez des bougies, enfin surtout une. Vous l'allumez pour vous, vous l'allumez pour votre famille. Hein. Surtout, pensez bien à vous avant. Il faut toujours penser à soi. Je sais que dans ces moments-là, ben, on peut être égoïste un petit peu parce qu'il faut qu'on se sente bien pour que les autres aillent mieux. Parce que si on n'est pas bien, ben, si les autres nous voient malheureux, ben, ça ne va pas non plus. Donc, il faut toujours bien penser à soi. Comme ça, dès que vous êtes en pleine forme, vous pouvez penser aux autres. Ça, c'est très important. Et surtout, non, surtout, franchement, rester chez vous, c'est très important, hein, d'accord? Et on soutient vraiment les, bah, pour les infirmières et médecins qui me regardent, bien sûr, un gros, énorme bisou. Et bravo pour ce que vous faites, ainsi que les caissières, ainsi que bah, pour ceux avec qui on a besoin, hein, franchement. Et franchement, bravo. Et il faut que tout le monde soit solidaire. D'accord ? Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis donc à demain. J'ai fait qu'un tirage aujourd'hui, c'est vrai, du signe. J'ai pas eu le temps. Demain, je vais en faire, promis. Vous allez me dire, bah, à chaque fois, tu nous promets, y a rien. Non, je rigole. Mais promis, là, mais j'ai tellement de messages qui m'arrivent d'un coup. Donc, je suis débordée.
Et j'en suis désolée. Mais promis, je vous réponds. Je sais qu'il va falloir que je me réserve une petite journée, là, moi, toute seule, pour répondre aux mails et aux textos et tout. Mais là, c'est vrai que c'est un peu la course en ce moment avec les signes. Et puis, c'est vrai que la semaine prochaine, je fais les signes sentimentaux. Hein, promis, promis. Et je ferai un direct samedi. Je vous l'annonce. Je ferai un direct samedi. Vous me direz si vous voulez qu'on le fasse le soir ou l'après-midi. Pour celles qui vous arrangent. Vous allez me dire, ouais, bah Olé, tu fais ce que tu veux parce qu'on est en confinement, donc on a tout le temps. Mais je sais qu'il y en a aussi, il faut penser à ceux qui travaillent aussi. D'accord? Donc, vous me dites. Et comme ça, moi, je vois en fonction de vos commentaires. Et voilà. Comme ça, on sera tous réunis. Et voilà. D'accord? Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis donc à demain. Ciao, ciao. Mille bisous à tous et à toutes. À demain, ciao.